KXTC Podcast. Le dimanche 28 janvier 2024, de 10h à 18h, place Malherbe, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le Var, aura lieu la fête de la Saint-Vincent. Dégustation et vente de vin, produits du terroir. Nous avons demandé à Arnaud De Giovanni, secrétaire général de l'association Sarment de la Saint-Vincent, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Dimanche aura lieu la 21e édition de la fête de la Saint-Vincent sur la place Malherbe à Saint-Maximin à la Sainte-Baume. Cette manifestation accueille près de 50 exposants de différentes appellations provençales, Côte de Provence, Côte-Auvergne-Provence et IGP Var. À 10h se déroulera la procession des vignerons autour de leur Saint-Patron jusqu'à la basilique où aura lieu la messe solennelle. À la sortie, sur le parvis de la basilique, le groupe folklorique La Laine réalisera des danses folkloriques provençales. Tout au long de la journée, il y aura la présence de Pauline Pradier, Miss France Agricole 2023 et viticultrice dans le Gard. Vous pourrez profiter avec vos enfants d'une ferme pédagogique ainsi qu'une exposition de matériel agricole. L'achat du verre de la Saint-Vincent vous permet d'une part d'avoir la chance de déguster, mais aussi de pouvoir participer à la tombola où vous pouvez gagner votre poids en vin. Le prix de ce verre est de 4 euros. Alors on va parler du public qui vient vous voir, bien sûr. Il vient d'où ce public ? Le public, c'est un public qui vient du Var, des Bouches-du-Rhône, de la Provence, mais aussi des départements limitrophes. Qu'est-ce qu'on a comme vin à déguster ? Sont présentes toutes les couleurs des vins, blanc, rouge, rosé. Dimanche, de 10h à 18h, c'est à Saint-Maximin qu'il faut être présent. KXTC Podcast.